Bon. Intéressant, on est dans ce sens. Du coup, tu vas aller où? Je sais pas, Foxtrot, ça fait un peu loin. Hein. Oh, je vais essayer d'envoyer une paire de Mewtwo. Non, mais c'est bien Foxtrot. Si tu veux pas, j'y vais. Hein. Ouais, faut être rapide, quoi. Ouais, je vais y aller, je vais essayer. Je suis à Chenille, donc je vais garder le spawn. Je vais caper India. Faut penser si je l'oublie. Ouais, mais peut-être pas là, on sait s'il fait une. Voilà, Bah, je mettrai. Justement, c'est plus facile de protéger de ce côté que de l'autre. Je mettrai un entière après. Alors, comment je vais aborder Echo? De gros stacks d'infanterie. Merde, le hameau 65 points, bordel. C'est con qu'on peut pas faire ça, comme dans Steel Division, placer tes unités au départ. C'est vraiment Bah, cool ils ça. ont inventé le mécanisme après, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie dans. Moi, j'y joue plus beaucoup, mais. Ton Lynx avec le CV de Rocco dedans, tu vas essayer de l'infiltrer? Le. La Roku à droite, là? Ouais, c'est pour savoir à peu près où tu vas le poser. Je sais pas, je vais le poser. Attends, faire le tour, je vais le poser là. Hein. Je vais peut-être essayer de décaper Charlie. Bon, bien. Après c'est chaud parce qu'il y a des rivières tout ça, mais Ouais, mais c'est sur moi je vais Edna. foutre mon hélico de Rocco au-dessus de la grosse forêt là, parce que je vais mettre 2-3 infanteries histoire de protéger le flanc. Je vais me concentrer sur Echo Delta, je vais essayer de traverser en fait. Je vais essayer de caper Echo et de traverser vers Delta.
Putain d'illusion. Un casque de merde, moi j'ai entendu son partout. J'ai pas le... C'est la différence entre droite et gauche. Ah, la directionnelle. Ouais. C'est un casque de téléphone parce que l'autre il... Bon, hein? C'est un rond de lame, c'est un casque de téléphone. Ouais, moi mon téléphone, mon truc c'est un casque de téléphone aussi, il pose pas de soucis. J'arrive pas, j'entends des explosions à gauche, alors ok, y'a rien du tout. Pas que t'as inversé droite et gauche Non, non. Ouais, j'ai regardé tellement. Bon, je vais envoyer un CV sur hôtel. Au capé hôtel. Je vais pas tarder à caper les coups, là, dès que j'ai les points. Oh putain. Je viens de perdre mon... En quoi? Ton CV? Mon Amos. Ah non, qu'est-ce qu'il faut là ce con? Une munition? Ça part vite avec les Amos. Ah si si, non, si si, mais Amos, mais qu'est-ce que tu fous encore là? À gauche, il y a un avion là.
Ah, c'est pour mon bécane. Non, espèce de monstre. Oh, il l'a loupé. Ah, ça y est, bon, tu nous. Putain, je vais ramener un... Ok, il a un peu chargé la ville. Je crois qu'ils ont vu Taroko. Ils sont un petit peu énervés dessus. Ah merde, je l'ai oublié en plus. J'ai que des CV avec des véhicules. Et toi aussi. Mais je vais caper les coups, ça me fera un plus de. Wow. Je suis éteint depuis une heure, alors qu'on tire quand même dessus. Easy peasy quoi.
Non, on ne loupe pas. Ah, c'est la belle. Ah putain, j'ai pas dû mettre du... Je vais t'aider sur votre trottoir. Tu l'as mis? De smerch. La vie c'est pour les bécanes. Oh, ouais. Putain. Ah, tu fais des bécanes, tu. Ah non, non. Espèce de monstre. Oh putain, il y a le 102. Il a loupé, son nom, ça. Il va où, son nom, ça? Ils ont 0 à... Le hameau, tu commences à me casser les couilles sérieux là. Envoyer un CV hein, pour...
Ah si, ça colle. Ouais, mais là, t'as étourdi mes bonhommes, là. Bah non. Ça tire un peu n'importe où, en fait. C'est bien caché. Il fait chier lui. Ce putain de char. T'as pas eu le CV hein? Il est là. Ah ouais, bien sûr. Pas leur CV. Il est dans ce quartier. Ouais, il est pas loin. Ah oui, je pensais que c'était décapé. Mais... J'achète un autre mécan.
grand échec. On essaye de pousser Bravo. Attends, j'ai plus rien. Bravo, bravo. Alors, rapproche-toi des camions. Le plus 2 là en haut de la colline. Ah oui. Et je vais faire tourner en arrière. Ah, on va mettre un peu de fumée. Ah, aïe, ou les deux torts là-bas. Ouais, on voyait ce qu'il fallait. Et il est buggé, mon unité est buggé. Oh le con, il n'avait pas le temps. Meuf qui touche pas, c'est bizarre. On éteint. Peut-être éteint, non? Ah, je sais pas. Non, non, parce que les missiles sont partis, donc... J'ai vu ce que c'est, un peu de merde. Les puffs, oui. Pas qu'il va essayer de traverser quand même. Je suis emmerdé, j'ai plus de fumée, bordel. Attention, ouais. Charge d'hélico. Putain, il a fumé ou quoi lui?
grappin de tic, putain. Oh, je l'ai eu. T'as les chars chinois qui défoncent les chars. Lui et nous, ça fout mal, quoi. Il a fait tellement de fumée que celle du début, elle est plus là. De toute façon, tu vas le défoncer parce qu'il le charge comme ça ne marche jamais. C'est la Sophia là, je crois. Bon, et bah. Putain, j'étais en train de préparer une charge de réserviste suédois. Bien content. Ah, c'était que des pop-off. Ah non, il y avait un Red Dragon. Je suis content comment je lui ai géré les Lijuanes en ville là au début. Ouais. Mais impressionnant. Je l'ai chargé en deux faces avec les Gustav Jagaré 90. Là, je suis rentré dans le même district que lui. Résultat, il pouvait pas utiliser son slam. Je l'ai découpé. Avec quoi? Avec des commandos suédois. Avec Gustav Jagaré 90.